Salut Clément, bah écoute, je suis revenu sur les lieux de ton exploit pour tenter de battre ton record du monde. Alors voilà, comme le Guinness Book n'était pas disponible aujourd'hui, je me suis muni d'une petite caméra, histoire de te faire vivre et d'homologuer mon record peut-être, on va voir, en direct. Allez, c'est parti. Donc là, tu reconnais les lieux, on arrive vers le petit rond-point qu'on pourrait appeler... Terre de tes exploits. Donc pour rappel, le record du monde est de 5 tours. Voilà, donc là on entame le premier. Voilà, tranquillement, on fait chauffer les pneumatiques. Ils vont avoir pendant un moment, donc on va y aller doucement. Deuxième tour. Ah, il y a un bus qui arrive. Ça peut entacher, ça peut avoir des conséquences sur le record. Attention, on va le laisser passer. Très bien. Voilà, donc on garde une allure convenable. Attention monsieur, il faut pas m'arrêter, sinon le record sera pas validé. Voilà. On garde une allure convenable. Faut pas aller trop vite quand même parce que je viens de manger là. Donc voilà, 4 tours, 4 tours et demi. Voilà, sous vos yeux, le record du monde égalé. Et donc maintenant, on va se permettre le petit luxe, après ce sixième tour, d'en faire même, pardon, bonjour monsieur, un septième. Et voilà. Donc bon, j'aurais pu faire le huitième à cloche-pied en sortant de la voiture, mais bon, je voulais peut-être pas trop t'humilier aujourd'hui, donc. Voilà, 7 tours et demi, c'est le score officiel. Et ben écoute, j'espère que tu repasseras dans la région pour ma foi tenter ta chance. À plus, ciao.